Franck dans sa pratique de disquaire et puis moi dans ma pratique de programmateur à cette époque-là aux instants, il y avait aussi un constat qui était que les spécialistes des musiques spéciales les connaissent, mais que ce petit trésor que sont ces musiques-là était pas si simple que ça à partager, mais en tout cas c'était un peu l'effort qu'on avait envie de faire avec Sonic Protest, que de se dire que ce trésor sonore là, il y a plein d'autres gens que ceux qui savaient déjà que ça existe qui peuvent être intéressés par ça, et il y avait quand même comme cette envie d'aller le proposer loin des lieux des spécialistes, d'aller le montrer à plein d'autres gens, parce que ça appartient à tout le monde, qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ces musiques là, c'est pas des musiques qui sont plus complexes que d'autres, et donc faut pas avoir de complexe face à ces musiques là, il n'y a pas de nécessité d'avoir lu des bouquins avant de venir écouter des musiques qui, même si elles ont été pensées, elles ont été construites avec des concepts ou des choses comme ça, d'abord ça s'écoute, et puis après on peut dire j'aime pas, et puis si on aime on peut lire en plus, mais on avait vraiment envie de, quand je parlais tout à l'heure, de décontextualiser, de se dire que ça s'adresse réellement à tout le monde, quoi, y a des bonnes raisons de le partager avec tous, et ça veut pas dire que tout le monde va tout aimer, comme dans toute musique, mais que c'est vraiment de rendre ça accessible tant par les prix que par la manière dont c'est présenté et tout ça, quoi. Tout en gardant une intégrité dans la programmation, on fait ce qu'on veut, si on a envie de mettre des choses très brutistes, très radicales, on continue à faire ça sans problème. Tu disais qu'on n'est pas obligé de lire des livres, mais par contre il faut lire des fanzines, ça c'est important, ça c'est obligatoire. Vous parliez de réseau, ça reste quand même le problème principal, parce que chacun fait les trucs dans son coin, et que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi, d'arriver à justement tisser ces liens. Donc nous on essaie de faire ça, mais on n'a pas, la prétention de créer un réseau. Après, moi j'ai l'impression que la scène indépendante, elle a les moyens de faire les choses. On est vraiment dans la tradition du do-it-yourself. Donc les gens, s'ils veulent faire des concerts, ils se bougent. Il y a énormément de choses qui arrivent. Si on prend l'exemple de la France, il se trouve que là, c'était une contrainte cette année. D'habitude, on va chercher des artistes à l'étranger. Bon, là, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire cette année, pour ne pas prendre le risque de reconnaître des annulations en série, etc. Donc on a fait un focus sur la scène française qu'on suit déjà
depuis le début du festival, mais là du coup on la met plus en valeur et on s'aperçoit qu'il y a énormément de propositions dans plein de styles différents. Donc après l'émergence des artistes, je sais pas ce qu'on entend par là, mais chacun veut se développer à sa façon. Pour moi, les gens qui s'autoproduisent, ça existe, qui jouent, qui. Après, s'ils veulent passer un cap supérieur, ça c'est un problème. Ça veut dire qu'ils soit ils gardent leur intégrité musicale et s'ils font quelque chose d'expérimental, ça va avoir du mal à avoir un développement plus connu ou plus commercial, etc. Dans les choses qui sont assez réjouissantes, c'est qu'il y a quand même on parlait pareil, encore une fois, on revient aux histoires de réseaux, mais il y a des réseaux très formels avec des noms, des acronymes, des syndicats, des choses comme ça existe. Et puis Sonic Protest est une aventure structurée, donc on est au courant de l'existence de ces choses-là. Mais il y a toujours Sonic Protest, nous on le voit un peu comme un trait d'union entre des choses qui sont très structurées et puis justement des choses qui sont très DIY et très libres, qui refusent justement l'idée de structuration. Et nous on a un pied évidemment d'abord dans cette scène-là, c'est d'abord ça qui fait qu'on se bouge le matin. C'était assez réjouissant de voir qu'il y a plein d'endroits en France et c'est pas forcément en ville. Moi j'ai l'impression que là, si on sait, en tout cas dans les musiques qui nous intéressent, et moi les développements de carrière, etc., ça me concerne assez peu. En tout cas, ce qui était hyper réjouissant de voir, c'était qu'il y avait plein d'endroits, plutôt à la campagne, dans des fermes, dans des lieux qui sont sur aussi des. C'est pas vraiment des lieux qui mettent forcément que l'autogestion en avant, c'est au moins des lieux qui ont une forme d'autonomie. Et que là où il y avait une interdiction de faire des concerts, il y a quand même eu plein de possibilités de qu'il se passe des choses avec des petites échelles, là, des échelles vraiment de proximité, etc. Et moi je trouve que pour ces formes musicales-là, des fois ça peut s'écouter à plus que 100, c'est sûr, ça arrive entre autres dans Sony Protest. Mais des fois c'est bien d'être 20, 30, 40, 60, vraiment à proximité ensemble et que. C'est pas un échec d'être 30 à un concert. Ça peut aussi suffire parce que esthétiquement ça peut vraiment marcher. Et j'ai eu l'impression que en Bretagne, dans les Cévennes, dans le Lot, voilà, dans des endroits où vers Clermont-Ferrand par exemple, pour citer quelques endroits où on sait que ça a vraiment eu lieu, il y a eu et il y a une vraiment un circuit alternatif qui existe et qui fait qu'il y a des créateurs et des créatrices qui bossent. Et qui n'ont pas besoin d'un réseau comme celui des SMAC, comme celui des salles de concert ou avec des choses un peu cadrées, normées, pour pouvoir faire des choses. Et du coup, au niveau économique, ils arrivent à. Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas forcément intermittents. Il y a toujours cette histoire de. C'est la question de la professionnalisation en fait qui se pose et puis la scène artistique française y répond d'une manière particulière qui est celle de l'intermittence. Évidemment, on voit bien la différence avec des Anglais qui sont plutôt avec des boulots de merde entre deux tournées et puis des conditions de vie hyper précaires et qu'en France l'intermittence est censée compenser ça, mais que l'intermittence pour certains est un peu vue aussi comme une laisse
Par exemple, un artiste qui passe très régulièrement ici, qui s'appelle Jean-François Pauvros, qui est un artiste cher à ce lieu, et quelqu'un qui refuse, lui, le système de l'intermittence, alors qu'il pourrait, c'est pas par rapport au nombre de dates qu'il joue, c'est que lui, il trouve que, alors, je ne parlerai pas à sa place, il l'expliquerait mieux que nous, mais en tout cas, c'est un système, lui, qui ne lui va pas. Puis il y a des gens à d'autres endroits qui se disent que c'est pas pour eux, il y a une histoire de légitimité, de légitimation, de se dire, ah bah non, c'est pour les pros, et enfin, la question du pro se pose vachement, quoi, et c'est pas forcément... les plus professionnels qui sont les plus créatifs, et parce qu'il y a tout un système, le fait d'obtenir l'intermittence, ce qui n'est pas un crime, attention, je ne suis pas contre le système d'intermittence ni contre les intermittents, c'est notre statut, par exemple, nous, donc voilà, je dis pas que c'est. Mais c'est pas seulement de l'or en barre, quoi, enfin, il y a quand même des questions à se poser sur ce système, et en tout cas, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ce système et qui ne sont pas moins créatifs que les autres. Et puis il y a plein de gens dont c'est pas le métier et qui sont plus créatifs peut-être que certains dont c'est le métier aussi, parce qu'il y a un moment quand c'est ton gagne-pain, les enjeux sont plus forcément les mêmes. Cet exemple-là, par exemple, dans nos groupes fétiches, il y a un groupe de vieux Canadiens qui s'appelle le Nihilist Space Band, qui a commencé dans les années 60, 64, à jouer de la musique, qui joue encore, donc c'est des gens maintenant qui ont 75 ans, 80 ans sur scène, et qui n'ont jamais gagné leur moindre copec avec leur musique. Il y en a un qui était médecin, un bibliothécaire, un artiste peintre, un prof d'anglais, de littérature, et tous les lundis, depuis 1964, ils se retrouvent pour jouer de la musique ensemble dans leur bled, London, en Ontario, à côté de Toronto, au Canada. Et ils ont joué de la musique toute leur vie, ils ont fait des disques qui sont des disques cultes, ils ont fait des tournées au Japon, ils ont participé en juin 68 à leur première date, et seule date pendant 20 ans ou 30 ans, ça a été de faire une date à Paris pour des rencontres de jeunes artistes, et puis après ils sont rentrés chez eux, et puis ils ont repris leur boulot parce que c'était pas possible d'en vivre, et puis c'était pas grave, ça les empêchait pas de faire, et ça c'est hyper important, quoi, de se dire que l'économie évidemment contraint nos vies, mais que ça doit pas pouvoir empêcher, il y a quand même moyen de contourner. Ouais, et puis des musiciens qui sont intermittents, nous on est intermittents, mais on fait, voilà, on a plusieurs activités diverses d'intermittents. Mais il faut en faire un paquet, quoi, de concerts pour arriver à être intermittent, et donc dans des musiques qui sont quand même pas sont pas forcément accessibles, c'est pas évident, quoi. Donc il n'y a pas forcément de tournée, ou pas très grande, quoi. Quand tu fais déjà une tournée de 5 ou 6 dates, tu peux te considérer déjà que et c'est assez rare, je pense, de faire une tournée de 5 ou 6 dates avec des cachets que tu peux déclarer pour l'intermittence, d'en faire 6 à la suite. Ça doit pas arriver si souvent que ça, enfin voilà. Y a plein de structures, plein d'organisateurs qui sont pas structurés pour pouvoir faire des cachets d'intermittents. Et du coup, il y a plein d'artistes qui ont pas envie de passer leur vie dans les SMAC non plus, qui vont être les seuls qui vont pouvoir leur permettre d'être intermittents. Donc il y a un truc, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, quoi.